Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous le savez peut-être si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, le 18 novembre prochain, nos amis de la boutique Eau de Ballet de Marseille vont recevoir pour la première fois en France l'acteur Jeff Roll qui a prêté ses traits au personnage d'Amos Digori dans Harry Potter et la coupe de feu. Ludovic et toute sa super équipe vous attendent donc à Marseille et vous pouvez évidemment trouver toutes leurs, les informations sur leurs réseaux sociaux, notamment sur Instagram et sur Facebook. Du coup, on profite de cet événement auquel malheureusement on ne pourra pas assister pour des petites raisons personnelles pour tenter... De vous parler de ce personnage à l'histoire tragique que nous découvrons dans Harry Potter La Coupe de Feu, mais dont on touchera vraiment la personnalité dans les événements constitutifs de Harry Potter et L'Enfant Maudit. Disons-le d'emblée, Amos Digori est un personnage secondaire de Harry Potter qui est peut-être l'un des plus troublants, mais aussi l'un des plus touchants, par le côté tragique de sa vie et de son destin. Digory, quand on utilise ce terme, c'est souvent pour parler de Cédric. Que l'on utilise effectivement ce nom qui est devenu célèbre dans le monde magique. Mais nous vous en avions déjà parlé dans une précédente vidéo sur ce personnage et donc on ne va pas revenir sur Cédric Dégory. Aujourd'hui, c'est vraiment à son père que nous allons nous intéresser. On vous le dit à chaque fois, la magie de l'écriture de J.K. Rowling, c'est d'avoir parfaitement réussi à créer et à mettre en scène des personnages secondaires à l'histoire parfois très riche, parfois peut-être un petit peu moins, mais qui laissent quoi qu'il arrive une trace particulière dans le cœur des lecteurs et dans le cœur des spectateurs. Nous allons donc plonger dans les méandres de ce personnage, peut-être secondaire, mais qui mérite qu'on lui consacre quand même un Petit peu de temps, car assez paradoxalement, c'est vrai que le voile sur ce personnage ne se soulève relativement que très tardivement dans l'histoire, puisqu'il faudra donc attendre les événements de Harry Potter et l'Enfant Maudit pour vraiment comprendre qui il est réellement et les mécanismes de son personnage. Sa vie n'est pas la vie la plus documentée du monde magique que J.K. Rowling a pu écrire, mais elle nous a donné quand même suffisamment de matière pour que l'on puisse se faire une petite idée, on va dire, des ressorts intrinsèques qui sont ceux de ce personnage. Alors, on apprend dans Harry Potter et l'enfant maudit qu'Amos Diggory est né de deux parents sorciers et qu'il était le seul enfant dans sa famille. Il est le descendant, on le sait direct, d'une famille qui est bien connue dans le monde magique, qui ne fait pas partie d'ailleurs des euh, familles de sang pur, hein, il n'est pas dans les 28 sacrés, mais on sait que l'un de ses ancêtres, Eldritch Diggory, fut notamment ministre de la magie. Ce fut d'ailleurs un ministre assez célèbre, connu et reconnu, et qui a laissé son nom dans euh, l'histoire du monde magique. Car il a euh, notamment créé et mis en œuvre le premier programme de recrutement des aurores euh, en fait, durant l'un de ses mandats, puisqu'il en a fait deux à son actif. Et on sait d'ailleurs qu'il qu va décéder en poste en 1747 à cause de la dragoncelle, maladie dont on sait qu'elle fit des ravages dans euh, le monde magique et notamment, par exemple, dans l'arbre généalogique des poteurs. On sait évidemment que la dragoncelle a été euh, quelque chose d'assez euh, compliqué à gérer. C'était un peu leur Covid à nous. Donc ni Cédric ni Amos Digory n'ont jamais directement fait référence à aucun moment que ce soit à cette prestigieuse ascendance, mais qui inscrit quand même pourtant de facto cette famille dans l'histoire du monde magique britannique. Alors c'est peut-être un détail quand on le dit comme ça en passant entre deux autres informations, mais il ne faut pas de mettre de côté ce détail de l'histoire car on peut finalement à la lumière de celui-ci mieux comprendre parfois. Certaines inclinaisons psychologiques euh, qui sont celles d'Amos Digori. On peut présumer qu'il va faire ses études à Poudlard, même si l'on ne sait pas véritablement dans quelle maison il a pu être réparti par le choix peau magique à son arrivée au château. On ne peut que supposer, mais là pour le coup sans aucune preuve, qu'il fut réparti dans la maison Pouf-Souffle, comme cela sera le cas pour son propre fils, mais il est absolument impossible de le confirmer. Euh, pour nous, ce n'est qu'un pressentiment, mais là-dessus, là nous n'avons pas d'informations. À la fin de ses études, tout laisse à penser qu'Amos commencera sa carrière professionnelle au ministère de la Magie, comme de nombreux élèves à la fin de leur scolarité. Vous savez que c'est un peu le passage obligé. Alors, on ne connaît pas exactement son parcours au sein du ministère de la Magie. On sait simplement que quand on le rencontrera dans les événements de Harry Potter et la Coupe de Feu pour la première fois, il sera toujours l'un des fonctionnaires du ministère de la magie. qu'il occupera un poste vraisemblablement assez élevé dans la hiérarchie du ministère, mais sans pour autant qu'on réussisse vraiment à identifier exactement où il se situe et quel est son rôle. On sait qu'il vit à quelques encablures du terrier et entretient de cordiales relations, on va dire, avec Arthur Weasley et sa famille. On peut cependant quand même pas aller jusqu'à parler non plus d'une véritable amitié ou euh, d'une franche camaraderie non plus. On a dav davantage en fait le sentiment de faire face un peu à des collègues de travail qui sont contents de se retrouver de temps en temps, mais vu de loin par tant de brouillard. Installés à immédiate proximité euh, de euh, loutre saint -Chapoul, les digories vivent dans un écosystème moldu mais entourés quand même de quelques familles magiques comme les Weasley, les Lovegood ou encore les Fossettes. On ne sait pas exactement si ce mini-écosystème, euh, entre guillemets, fabrique quelque chose, euh, ne serait-ce que, euh, on va dire, du euh, lien social. On ne sait pas véritablement, en fait, si les gens se voient plus que ça. Mais on a globalement le sentiment que chacune des familles a plus ou moins tendance à vivre un peu chacun de son côté et à se croiser de temps en temps, bon, soit au bureau pour euh, ceux qui travaillent, soit à l'école pour euh, les enfants. Mais euh, de manière assez évidente, ce n'est pas très, très clair. Alors, l'organisation de la Coupe du Monde de Quidditch, on le sait, va donner un prétexte à ce que les familles Digori et la famille Weasley puissent enfin se rencontrer. C'est à ce moment-là, en fait, où Cédric va commencer notamment à prendre un petit peu plus d'importance à l'histoire, et à ce moment-là aussi, évidemment, qu'on va découvrir Amos Digori beaucoup plus dans le détail. À aucun moment, il n'est fait euh, mention, à ce moment-là, de la mère de Cédric digory à cette époque. Alors, on aurait pu imaginer, et ça avait été une théorie à un moment donné, comme quoi Amos Digori élevait seul son fils euh, au moment où on fait la connaissance donc des, des Digori Mais en réalité, euh, tout, euh, tout va très bien, puisque, en fait, nous ferons un petit peu plus tard dans l'aventure, la connaissance donc de Madame Digory. donc là-dessus il n'y avait pas du tout cette espèce de relation qui est encore aujourd'hui, du fait peut-être de l'adaptation cinématographique, a un peu la vie dure puisque les gens sont personnés en réalité qu'il n'y avait pas de Madame Digory, mais il y en avait bien une, même si on ne sait en réalité pas grand-chose sur elle. On sait cependant que Cédric est fils unique. Nous ne connaissons pas les raisons exactes. Il faut imaginer évidemment que le contexte que les jeunes couples traversaient n'était pas idéal pour la conception d'un enfant, alors qu'on était en plein dans la première guerre du monde des sorciers. Donc on peut imaginer effectivement qu'il y a eu une volonté effectivement de ne pas avoir plus d'enfants. Mais ça après, ça reste un point de questionnement sur lequel on n'a absolument aucune information, donc rien à dire. Quand On rencontre Amos Nigori pour la première fois, on comprend assez rapidement que le père nourrit une admiration absolument sans limite pour son fils unique. Dans son attitude, Amos Nigori n'est pas spécifiquement le personnage le plus sympathique qu'il soit. Il aperçoit même assez rapidement, euh, finalement, en tout cas, on s'aperçoit qu'il est un personnage étant peut-être un brin au et un petit peu imbu de sa personne. En réalité, ce n'est pas vraiment le cas, ce n'est pas vraiment de sa personne dont il est imbu, mais comme tous les enfants descendants d'une grande lignée, d'une lignée célèbre du monde des sorciers, Amos endosse en fait la charge, consciente ou inconsciente d'ailleurs, qui est celle d'en fait d'être à la hauteur du destin qui est peut-être un petit peu lourd à porter. Et c'est vrai que quand on porte un nom célèbre eh bien forcément derrière il y a des responsabilités qu'on accepte par obligation plus que par véritable volonté et parfois tout ça peut se révéler être un petit peu difficile. Amos Digori ne semble pas être le genre de personne à rester passif, bien au contraire. Euh, on sait que voilà, c'est quelqu'un qui a envie euh, d'agir et on sent que c'est plutôt, si vous voulez, euh, quelqu'un qui ne rentre pas en fait dans cette espèce de catégorie qu'on pourrait euh, presque qualifier être de euh, noblesse ou de presque noblesse. Là, on est vraiment sur quelque chose d'autre. Et d'ailleurs, on le voit lorsque les Mangemorts mange en fait ont réalisé leur action euh, extrêmement violente le soir suivant la finale de la Coupe du Monde. De Quidditch, il n'a pas hésité une seule seconde à se mobiliser pour tenter de mettre un terme à cette insurrection avec les Horreurs évidemment qui étaient présents sur place en nombre et toutes les bonnes volontés d'ailleurs qui ont souhaité y participer. Assez rapidement, on sait que Amos Diggory va très vite cerner Harry Potter, ses amis et l'elfe de maison Winky et va tenter de comprendre ce qui a bien pu se passer et surtout qui peut bien être à l'origine de l'apparition de la marque des ténèbres. Si, dans un premier temps, les accusations se tournent assez naturellement vers Harry Potter, en réalité, ils se rendent en fait à l'évidence, en comprenant que c'est l'elfe de maison de Barty Compton Jr. qui en serait en quelque sorte l'autrice. Alors... On sait bien, nous, que ce n'est évidemment pas le cas. Mais, mine de rien, c'est vrai qu'on est dans un contexte un petit peu compliqué et dans un contexte, en fait, où euh, les événements sont un peu mouvants autour de la scène. Amos Zigori ne pouvait absolument pas, évidemment, se douter que Winky euh, veillait ce jour-là, en réalité, sur Barty Croupton junior, qui était censé être mort plusieurs années auparavant dans la si célèbre et si sinistre prison qu'est Ascaban et dont on en parlait dans une précédente vidéo. C'était... Évidemment, quelque chose d'inconcevable, tout comme il était d'ailleurs totalement improbable en réalité qu'Harry Potter puisse faire apparaître la marque des ténèbres, compte tenu de son passif et de son historique avec euh, Voldemort et euh, les Mangemorts. Alors, après, on aurait pu imaginer effectivement, dans le feu de l'action, pourquoi pas, qu'une bêtise d'adolescent un peu exalté par une ambiance dantesque, pouvait être à l'origine de cette vision d'horreur. N'oublions pas d'ailleurs que même les manches morts ont absolument paniqué à l'apparition de la marque des ténèbres et ont tous disparu. Les officiels du ministère s'en étaient bien évidemment rendus compte. En réalité, Amos Igori, en fait, il a été un peu totalement dépassé d'un point de vue émotionnel par la situation, dans la mesure où cette situation était forcément totalement inattendue. Et même s'il a instinctivement réagi pour porter, on va dire, le fer contre les morts, il faut aussi quand même imaginer, mesurer l'impact a posteriori d'une telle attaque et la stupéfaction générale qui en découle et peu importe les qualités du personnage sa force morale euh, etc mais une attaque de cette ampleur est violente et donc mais surtout en fait elle va euh, on va dire raviver des traumatismes vécus pendant des décennies lors de la première guerre du monde des sorciers ces traumatismes qui sont généralement puissamment ancrés dans la psychologie de toutes les victimes euh, sont des traumatismes entre guillemets qui vont laisser des traces et une fois que l'adrénaline commence à redescendre forcément bah, un petit peu tous ces souvenirs là commencent à remonter même si dans le feu de l'action, on s'en est pas véritablement rendu compte. Une fois cet événement douloureux de la Coupe du monde de Quidditch passé, on sait que Amos va retourner à son domicile en compagnie de son fils et a priori, tout se passe plutôt pas trop mal. Peu de temps après, on sait qu'il va charger Arthur Weasley d'une mission assez peu commune et qui sont d'ailleurs des prérogatives professionnelles qui sont celles d'Arthur Weasley puisque Amos va être alerté par le remis ménage en fait généré par Alastor Maugrey. Alastor Maugrey étant coutumier des fausses alertes et euh, passant pour être particulièrement on va dire paranoïaque en toute occasion, le ministère de la magie est persuadé qu'il ne s'agit que d'une énième fausse alerte absolument sans conséquence et où Maugrey Follet grosso modo se ferait à peu près on va dire son petit film dans sa tête. Et c'est Arthur Weasley euh, que va revenir à la tâche. Le calmer, puisqu'il semble entretenir quelques relations personnelles avec l'ancienne aurore, euh, connue et reconnue évidemment pour ses faits de guerre. Alors, on ne sait pas exactement euh, pourquoi Arthur Buisley a des liens avec, euh, donc, à la On peut imaginer que c'est euh, plus par euh, capillarité euh, liée à l'ordre du phénix qui n'existe pas en, à l'époque, en tout cas qui n'a pas été relevé, mais on peut imaginer qu'ils se sont rencontrés peut-être dans ce cadre-là pendant la première guerre du, du monde des sorciers, mais bon, le fait est que en tout cas, c'est à Arthur que va euh, échouer la difficile tâche de ramener un semblant d'ordre sans attiser évidemment l'attention des modus et notamment des autorités locales. Personne euh, ne mesure en réalité ce qu'il se passe à ce moment-là de l'histoire et le drame en fait qui est en train de se jouer. Alors, ni Amos Digori, ni personne ne pouvait évidemment se douter de ce qui s'est passé, qu'un combat euh, opposé véritablement à la sorte Maugré, à un mange-mort connu et reconnu comme étant parti Krypton Junior, et que ce dernier allait littéralement prendre sa place grâce à l'effet de la potion Polynectar. Vient ensuite l'aventure du tournoi donc, des trois sorciers, dont on sait qu'il va impacter évidemment Amos Digori pour le meilleur, il ne le sait pas encore pour le pire évidemment, événement de... Toute sa vie. Comme à peu près tous les fonctionnaires du ministère de la magie, Amos Digory était nécessairement au courant de l'arrivée ou tout du moins du retour du tournoi des trois sorciers à Poudlard tant cela a nécessité, on le sait de très nombreuses préparations de la part d'un certain nombre de départements du ministère de la magie. Rien ne vient cependant confirmer qu'il existe bel et bien une discussion antérieure à l'annonce du tournoi entre Amos Digory et son fils. Si on sait qu'Arthur Weasley et Molly Weasley ont gardé le secret pour préserver la surprise à leurs enfants, il semble difficile de dire que la réciproque est potentiellement la même, on va dire, du côté des Alors, vous nous direz probablement que c'est un détail de l'histoire, mais nous en avons en fait une toute autre lecture, dans la mesure où l'on sait quand même pertinemment que si Amos a mis au courant son fils avant son arrivée à Poudlard, l'hypothèse de la candidature de son fils a pu faire l'objet d'un débat et probablement même d'encouragement paternel, on imagine particulièrement appuyé. On sait qu'Amos Digori, c'est un compétiteur par procuration dans l'âme et qu'il est extrêmement fier de la réussite académique et sportive de son fils. On le sent par exemple dans la manière qu'a ce dernier de rappeler avec très peu de délicatesse les événements survenu lors du précédent match dans les événements de Harry Potter et le prisonnier d'Ascaban lors du précédent match de Quidditch qui opposait l'équipe de Gryffondor à l'équipe de pouce on se souvient que Cédric Diggory avait attrapé le vif d'or alors que Harry Potter était lui pris pour cible par les Détraqueurs en plein match. Cédric Diggory avait d'ailleurs voulu faire annuler le match, mais son père n'a pas insisté et gardé en mémoire, on va dire, ce fait de son fils et il n'a gagné en rien. Garder en fait que la victoire du fiston sur le célèbre Harry Potter et qu'il ressent un petit peu à toutes les sauces. Cédric, bien qu'étant un excellent compétiteur et en plus quelqu'un de très fair-play, a pu être influencé par l'avis de son père sur une possible candidature au tournoi des Trois Sorciers. De ce que l'on sait, il est vrai que, sur le papier, il a absolument toutes les qualités requises pour être un très bon candidat et un très bon champion de Poudlard. Alors, sauf si j Rowling venait à un moment ou à un autre euh, disserter, on va dire, un petit peu sur le sujet, euh, par l'intermédiaire d'un de ses écrits, nous ne connaîtrons jamais la réalité autour de cette possible discussion. On sait que si discussion il y a eu un moment ou un autre avant le dépôt des candidatures, nous n'avons pas, on va dire, énormément de doutes sur le fait qu'Amos Ligori aura encouragé de manière assez prononcée son fils à s'inscrire à cette épreuve, on va dire, pour perdurer dans les succès et peut-être aussi restaurer un petit peu la gloire d'Eligori. Si cette discussion a eu lieu, effectivement, on peut imaginer facilement qu'Amos Digori, en plus d'un deuil totalement impossible à faire, s'ajoutera, on va dire, une immense partie de la responsabilité dans les décisions de Cédric de participer à cet infernal tournoi des trois sorciers. Vous l'aurez compris, il ne s'agit donc absolument pas d'un détail, mais d'un élément qui peut avoir son importance dans la psychologie du personnage que nous étudions aujourd'hui. Pour en revenir à ce que l'on sait et à ce que l'on connaît, on sait qu'Amos Digori se montrera extrêmement fier de la sélection de son fils comme champion de poudlard. On sait également qu'il entretiendra, on va le dire, un ressentiment assez violent, voire très violent, vis-à-vis -vis de Harry Potter, dont la participation au tournoi est perçue comme étant quelque part le symbole d'une tricherie de la part d'un jeune homme dépeint comme étant quelqu'un de particulièrement instable par la Gazette du Sorcier et par sa journaliste star, vous le savez, Rita Skeeter. On pourrait euh, effectivement, euh, et on pourra l'observer durant les événements de la Coupe de Feu, le ressentiment en fait qu'Amos Digori euh, entretient vis-à-vis -vis de Harry Potter, notamment lors des heures qui vont précéder en fait la troisième tâche au tournoi des Trois Sorciers, quand les familles sont autorisées à passer un peu de temps avec les champions avant d'entrer dans le labyrinthe. Et ce jour-là, Amos Digori va faire preuve d'un manque d'élégance et d'un orgueil, franchement extraordinairement déplacé, qui obligera même Molly Weasley à intervenir jusqu'à déclencher une esclandre, auquel mettra fin, on le sait, Madame Diggory. Alors, si l'on peut comprendre que la pression et l'enjeu à ce moment-là du tournoi soit le paroxysme, il est vrai que le comportement d'Amos Diggory demeure pour le moins totalement inélégant, mais omnubilé en fait, à la fois par la réussite de son propre fils et euh, forcément, euh, on va dire, influencé de manière très directe par l'immense campagne de désinformation qui dure depuis des mois, mis en œuvre par la Gazette du Sorcier sur notamment l'état mental de Harry Potter. Amos Digori ne semble donc pas être en capacité de passer outre sa passion pour la compétition et donne finalement de lui une image très peu sympathique et même franchement assez hystérique pour être tout à fait honnête. Il semble cependant difficile de lui en tenir totalement rigueur compte tenu d'une part de la pression titanesque à quelques heures du dénouement on va dire d'un tournoi qui aura mis tous les nerfs à rude épreuve pendant une année mais aussi d'autre part euh, par le contexte on va dire périphérique qui est au-delà de l'hystérie et de tout, on va dire de toutes les règles de bon comportement en société qui se déroulent en fait dans la périphérie de ce tournoi. L'issue de la troisième tâche du tournoi des trois sorciers est au-delà. Vous le savez du dramatique, transporté avec Harry Potter au cimetière de linton Angleton alors qu'il pensait gagner à deux le tournoi. Cédric va être assassiné par Peter Pettigrew sans autre forme de procès et sans avoir pu même se défendre puisque c'était un ordre direct de Voldemort. On sait que Harry Potter devra ensuite batailler contre Voldemort jusqu'à ce que les deux baguettes communiquent, faisant apparaître dans la foulée le fantôme de Cédric Diggory qui demandera à Harry Potter de ramener son corps auprès de ses parents. Harry s'exécutera et c'est là qu'Amos Digori va connaître évidemment l'immense drame de sa vie, le genre de drame dont il est absolument impossible de se remettre. Aucun parent ne devrait d'ailleurs jamais avoir à vivre une telle épreuve. L'euphorie de cette finale du tournoi des Trois Sorciers s'est transformée en une soirée d'horreur absolue et qui voit donc deux parents basculer dans une situation d'épouvante qui vient littéralement anéantir une famille entière. L'action de Harry Potter et la Coupe de Feu ne peut naturellement pas s'attarder malheureusement outre mesure sur Amos Diggory et sur son épouse compte tenu du contexte dramatique de cette nuit si sombre et qui va venir bouleverser le cours de l'histoire du monde magique. On sait que Harry Potter expliquera lui-même les circonstances de la mort de Cédric, un Amos Diggory absolument bouleversé, effondré, déstabilisé par l'horreur qu'il traverse. Amos Diggory ne remettra jamais en cause, en tout cas publiquement, la version Avancé par Harry Potter, puis par Albus Dumbledore, des faits de cette nuit-là. En a-t-il d'ailleurs à ce moment-là seulement la force On sait qu'il refusera la proposition faite par Harry Potter de percevoir le prix du tournoi des Trois Sorciers. Et il remerciera Harry d'avoir pu ramener effectivement le corps de Cédric. Et on peut imaginer que, effectivement, récupérer le corps de son fils rendra peut-être. Le deuil, si ce n'est plus aisé, en tout cas un peu plus supportable. Malgré l'esclandre qui était survenu un petit peu plus tôt dans la journée, Amos Digori n'a jamais tenté d'incriminer Harry Potter euh, ou de lui adresser, en fait, à ce moment-là, un quelconque reproche, malgré la douleur euh, de l'épreuve traversée. Et ça, il faut quand même bien le reconnaître. En même temps, bon, on sait aussi que la. Les générations qui ont connu et qui ont traversé la première guerre du monde des sorciers savent pertinemment ce qu'un retour de Lord Voldemort peut impliquer et peut entraîner comme conséquence pour la communauté du monde des sorciers. S'ouvre ensuite donc une période de la vie d'Amos Zigori qui ne sera plus jamais joyeuse en fait. La période qui s'étend entre les événements de Harry Potter et la Coupe de Feu et ceux de l'Enfant Maudit n'a pas été documentée outre mesure par Caroline. Nous n'identifions pas de traces d'un engagement particulier d'Amos Zigori dans le déroulement de la Seconde Guerre du Monde des Sorciers. Il ne s'engagera pas non plus, on va dire, dans la bataille de Poudlard. Ni dans les actions de l'ordre du phénix. On peut imaginer qu'Amos Digori et sa femme se mettent un peu en retrait de tout événement dans le monde magique. À cela, il n'y a rien d'étonnant. La perte d'un enfant, surtout quand il s'agit d'un enfant unique, condamne les restant finalement les parents restants à subir une longue existence où le bonheur semble ne plus avoir le droit d'exister. La lignée des Ligori va s'éteindre et chaque jour est un jour supplémentaire qui viendra montrer l'ampleur du vide laissé par la mort de Cédric. Alors bien évidemment, ils doivent suivre les événements qui se déroulent dans le monde magique mais à quoi bon s'impliquer quand le plus important est déjà finalement derrière eux. Comme ils sont tous les deux des sorciers, ils ne seront pas de toute façon inquiétés par les menaces mises en œuvre par les sbires de Lord Voldemort. Donc on peut imaginer effectivement qu'ils soit un petit peu dans un autre monde. Alors on peut aussi imaginer évidemment qu'ils ressentiront peut-être une certaine forme de contentement lors de la victoire de Harry Potter à l'issue de la bataille de Poudlard, mais ça rien ne vient le définir. J.K. Rowling avait fait le choix de ne pas faire revenir à Gorilles lors de la bataille de Poudlard, car on peut imaginer, et c'est tout à fait naturel, qu'il a perdu toute envie en fait de combattre pour lui-même et pour qui que ce soit et comment. Pourrait-on lui en vouloir Amos Digori ne peut nécessairement plus voir l'avenir de la même manière. Il ne lui reste plus qu'à prendre soin de sa femme, totalement abattue également, et qui se tr euh, trouve en fait au moins dans une situation analogue, euh, si ce n'est pire que son propre mari. Quand on retrouve Amos Igori, 19 années après la bataille de Poudlard, il est désormais pensionnaire de la résidence Saint-Oswald, qui est un peu l'équivalent de nos EHPAD lorsque les sorciers et les sorcières sont en perte d'autonomie et ne peuvent plus retourner et rester à leur domicile. On croit comprendre, sans que cela soit directement exprimé et directement dit, que Madame Digori a dû rejoindre son fils et Amos Igori serait donc, on va dire, désormais veuf. On imagine sans aucune difficulté que cette nouvelle épreuve aura eu raison de ce qui pouvait lui rester en termes de force, en termes de volonté, en termes en fait d'envie de vivre tout court. Disons-le d'emblée, on a du mal à imaginer que terminer sa vie dans une résidence pour personnes âgées soit un objectif en tant que tel. Malgré, on imagine le développement, pourquoi pas, de l'équipe soignante de la résidence Saint-Oswald. Amos Igori, dans cette situation, à la fin d'une vie remplie de souvenirs et de douleurs, fait face en fait à ses regrets et euh, à une vie qui s'est achevée dans la souffrance il est le dernier des Ligori, le dernier de sa lignée et en de très nombreuses années de vie amos Ligori a eu le temps de mesurer tout ce qu'il a perdu tout ce qu'il n'a pas eu euh, le droit tout ce à quoi en fait il aurait eu droit et qu'il n'a pas pu avoir et tout ce qui finalement n'a pas eu lieu on sait qu'il n'aura jamais assisté au mariage de son fils qu'il n'aura jamais eu de petits-enfants Bref, Igoré est affaibli, il est au crépuscule de sa vie et il pense. Alors est-il encore en pleine possession de ses moyens C'est difficile à dire. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il erre dans un espace entre le monde des morts et le monde des vivants. Ce qu'il y a de certain aussi, c'est que euh, il rêve probablement parfois de réécrire sa vie, de réécrire sa propre histoire, de renverser le temps et de retrouver les jours heureux où son fils et où sa femme étaient encore de ce monde. À la résidence Saint-Walswald Amos Zigori euh, tranche, on va le dire de manière assez franche avec les autres pensionnaires, il n'est pas fou, il est juste perdu dans ses souvenirs et euh, cela euh, finalement, on sait va donner à une des infirmières entre guillemets de la résidence un terreau plutôt malléable pour agir. Et cette infirmière entre guillemets va montrer une certaine affection pour ce vieil homme. Alors, Amos Digori ne le sait pas, mais sa trajectoire vient tout simplement de croiser la fille du meurtrier qui a commandité l'assassinat de son fils tant aimé. Évidemment, cette rencontre n'a absolument rien de fortuite. Delphine Gellusor a pris le temps d'identifier dans l'histoire de la seconde guerre du monde des sorciers et exactement le moment où finalement tout a basculé. Delphine Gélusor, elle a parfaitement compris que la mort de Cédric Digori a fait, entre guillemets, basculer le temps et a provoqué une réaction en chaîne comme le retour de son père, et qu'il serait donc tout à fait possible, finalement, de, euh, si on revient à ce point de base-là, euh, bah, mettre en place une nouvelle stratégie pour, bah, finalement, qu'elle même puisse accomplir sa prophétie, sa propre malédiction. Et ça, pour nous, c'est quelque chose qui semble assez évident. Nous l'avons déjà dit précédemment dans euh, cette vidéo, Amozigori a consacré la majorité euh, de sa vie, et même probablement l'intégralité de sa carrière, au sein... Du ministère de la magie, il y a de nombreux réseaux, on le sait, euh, à l'intérieur de cette institution. Il a accès à de nombreuses informations et évidemment, il lit également la presse. Depuis sa résidence pour sorciers âgés, il suit donc les actualités et Harry Potter pourchasse désormais comme directeur au ministère de la magie. Tout ce qui a attrait, on le sait, à la magie noire et aux anciens partisans de Lord Voldemort. Récemment, Amozigori a eu vent de la découverte d'un retourneur de temps lors d'une perquisition des Aurores que dirigeait évidemment Harry Potter. Lui est Delphine et Delphine Duzor y voient probablement là une vraie opportunité d'agir. Alors, une question qui n'est pas abordée, on va dire, de manière directe, c'est de mesurer le degré et la nature, en fait, de l'emprise de Delphine sur la c'est un véritable point de questionnement un petit peu complexe à résoudre. Vous le savez, nous sommes de très très grands fans de Harry Potter et l'informatie. L'histoire de, de J.K. Rowling peut nous laisser penser à imaginer qu'Amos Diggory a probablement été soumis au sortilège de l'Imperium. Cependant, il ne serait absolument pas tout à fait exact de penser quand même qu'Amos Diggory n'aurait pas pu se projeter de la même manière sur le même type d'idées et de questionnement. La question des retourneurs de temps et des capacités de ces derniers à conduire à la modification d'une ligne temporelle débouche sur de nombreux questionnements philosophiques et éthiques, vous le savez. Mais peut-on cependant être dans une logique pareille, et disons-le dans une logique raisonnable, lorsqu'on l'on se retrouve dans la situation personnelle qui est celle d'Amos Digori Peut-on être tout à fait objectif dans une situation de détresse morale et personnelle comme la sienne Très sincèrement, là-dessus, notre réponse, c'est que c'est très peu probable. Amos d'Igori avait-il nécessairement besoin de Delphini Gélusor pour en arriver à la question de savoir si, oui ou non, il pouvait être opportun de se tourner vers l'usage des retourneurs de temps La question peut franchement se poser. Peut-être que le Amos que nous avions connu dans Harry Potter à la Coupe de Feu aurait eu une approche toute autre. Mais il est tout à fait certain également que le Amos d'Igori que nous avons connu n'est plus du tout le même après plus de 20 années de souffrance et surtout avec les effets du vieillissement. Avec l'avancée en âge, il existe également une transformation psychique chez la personne, qui vient naturellement abolir certains réflexes que la personne aurait pu avoir précédemment. Delphine Gellusor a de toute façon, quoi qu'il arrive, profité de l'état de faiblesse qui était celui d'Amosdegori et a abusé d'une confiance que rien ne venait légitimer. On sait que pendant des mois, Diggory va tenter de demander une rencontre à Harry Potter pour l'entretenir de ce sujet. Par lâcheté et aussi peut-être beaucoup par culpabilité, ce dernier va tout faire pour échapper à cette rencontre, dont on ne peut évidemment comprendre qu'elle euh, est redoutable pour Harry Potter, tant cela le renvoie en fait à ses propres traumatismes et à sa propre histoire. La fuite en avant de Harry Potter vis-à-vis d'Amos Digori est naturellement tout à fait logique dans la mesure où on sait qu'il porte encore toute la responsabilité de la mort de Cédric Digori sur ses épaules. Revoir Amozigori, c'est suivre une des parties de sa vie qui fut peut-être la plus pénible de toute son existence. Une nuit, une nuit de plus, qui a tout bouleversé, tout modifié à jamais. Le rapport d'Amozigori vis-à-vis de Harry Potter est nécessairement différent. Comme nous l'avons dit précédemment lors du tournoi des trois sorciers, Amos Diggory n'a jamais mis en cause euh, une quelconque, on va dire, responsabilité de Harry Potter en tous les cas publiquement et nous ne pensons pas évidemment qu'il ait pu imaginer véritablement qu'un jeune euh, comme Harry Potter puisse être responsable de quoi que ce soit. Mais l'âge avançant, on peut penser qu'il considère évidemment cependant que Harry Potter a une part de responsabilité dans le sens où il serait nécessaire de participer à minima à une certaine forme de réparation. C'est donc tout le sens en fait de la visite qu'Amos va rendre à Harry Potter pour le confronter au fait que le retourneur de temps retrouvé par le ministère de la magie pourrait très bien permettre de ramener son fils à la vie. Lors de cette visite, on sait qu'il sera accompagné de Delphine qui reste cependant un petit peu en retrait de la scène. Durant cette conversation, on sait que harry a refusé fermement la demande d'Amosigori. Il a déjà pu mesurer les dangers que représentait l'usage d'un retourneur de temps horaire. Alors, autant vous dire qu'un retourneur de temps qui a la faculté de retourner plus loin encore dans le passé présente des dangers absolument monstrueux. Le monde des sorciers a déjà dû faire face aux conséquences d'une mauvaise utilisation de ces objets magiques. Par le passé, il est absolument hors de question d'y recourir. Leur utilisation, on le sait, est strictement encadrée et il est bien évidemment interdit d'en faire usage. Et ça, là-dessus, Harry Potter ne veut évidemment pas transiter. La problématique, c'est que Amosigori ne peut pas se résoudre non plus à cette logique du fait que son interlocuteur. Euh, selon lui, a le devoir de réparer ce que le temps a créé et engendré. Harry, lui, ne peut évidemment s'y résoudre. En arrière-plan, on sait que son fils, Albus Severus Potter, euh, va, euh, on va dire, assister à la scène. et ne va pas manquer une miette de cette discussion euh, au cœur de la nuit. Bien entendu, à cette époque-là, Albus Severus n'a absolument pas la maturité nécessaire pour mesurer ce qui est en train de se jouer, ni les tenants et aboutissant évidemment d'un voyage temporel et des risques qui en découlent. Albus verra même, entre guillemets, son propre père aller jusqu'à nier que le ministère de la magie a mis la main sur un tel objet. On sait que Albus Evrus connaît cependant la vérité et ne peut que juger, peut-être maladroitement, peut-être sévèrement, peut-être avec un brin de justesse, la réaction et les propos de son père. Amozigori, on le sait, prendra congé sans avoir réussi à convaincre. Harry Potter, euh, on va dire totalement arc-bouté sur des principes qui échappent naturellement à la raison d'un père dévasté, esselé et probablement sous l'emprise magique ou non de Delphini Gélusor. Albus Potter et Scorpius Malfoy vont, on le sait, ensuite prendre contact avec Amos et vont se lancer au fur et à mesure dans une course à travers le temps. Alors, très naturellement, la pièce de théâtre n'a pas euh, le temps, on va dire, de s'attarder sur ce qu'il advient d'Amos Digori dans les différentes branches temporelles créées par l'entremise euh, d'Albus Severus Potter et de Scorpius Malfoy. Nous ne suivons Amos Digori qu'au travers de la timeline sacrée, entre guillemets, puisque euh, c'est celle que nous connaissons par cœur et on n'en bouge pas. On ne peut donc pas suivre son histoire et sa perception suite aux différents événements qui vont intervenir après passage d'Albus Severus et de Scorpius Malfoy dans différentes, on va dire, parties du... Monde magique, on le retrouve donc en cours de récit lorsque Harry Potter et Draco Malfoy vont se lancer à la recherche de leurs deux enfants disparus. Ils vont se rendre donc tous les deux à la résidence Saint-Oswald dans le but d'interroger Amos Diggory qui on le sait a reçu la visite des euh, jeunes Potter et Malfoy, et euh, finalement vis-à-vis -vis desquels il n'avait absolument pas pris on va dire, la conversation au sérieux, jusqu'à ce que Delphini le convainque plus ou moins de ne pas s'interposer et de voir à quoi tout cela pourrait, in fine, aboutir. Ce qui, en soi, est effectivement totalement irresponsable de la part d'Amos Diggory, nous pouvons en convenir, mais le fait est que Amos n'aura jamais tenté, on va dire, de dire à Albus Severus Potter et à Scorpius Malfoy « Vous êtes en pleine déconnade, des enfants. Retournez à l'école et laissez-moi tranquille. » Le problème, c'est qu'effectivement, Amos Diggory, quand il va être retrouvé par Harry et euh, Draco, va nier tout contact avec les enfants, ne semblera être au courant de rien du tout ou de pas grand-chose et niera également, en fait, avoir une nièce. On comprend donc que cette histoire, en fait, et que dans cette histoire, tout le monde a été parfaitement manipulé dans tous les sens à un moment ou à un autre de l'histoire. L'histoire d'Amos Zigori s'arrête donc globalement ici. Le temps n'aura pas été bouleversé, Cédric n'aura jamais été ramené à la vie et Amos devra se diriger vers l'ultime voyage de sa vie, comme nous l'avons euh, donc retrouvé dans Harry Potter et l'enfant maudit, c'est-à-dire plein de regrets, plein de douleurs et de ressentiments. Cependant, il serait absolument faux de dire qu'Amos Digori n'a pas eu un vrai impact sur l'histoire et sur Harry Potter. Il est évident que les échanges qu'ils ont pu avoir ont clairement placé Harry Potter dans une position on ne peut plus inconfortable et on ne peut plus douloureuse. Harry Potter, on le découvre dans cette pièce de théâtre, n'a de cesse en fait de se remémorer la mort de Cédric Diggory euh, à qui il ne cesse en fait de rendre un hommage très appuyé et d'ailleurs dont la force symbolique, y compris d'ailleurs dans la mise en scène de la pièce de théâtre, si vous avez l'occasion un jour d'aller la voir, est absolument bouleversante. Amos Digori aura eu une vie remplie de très grands bonheurs, mais aura connu aussi le plus grand drame qui puisse exister dans la vie d'un homme. Personnage secondaire donc. Mais personnage en fait indispensable à l'histoire pour mettre en lumière les tourments de notre sorcier pr préféré qui est Harry Potter, vous le savez. Pour nous, c'était très intéressant de pouvoir explorer la personnalité d'Amos Digori, qui, voilà, encore une fois, est peut-être pas le personnage le plus connu, qui n'est peut-être pas le personnage le plus intéressant, mais dans lequel en fait réside un certain nombre de mystères, un certain nombre d'informations et dont on trouvait en fait qu'il était vachement pertinent de euh, parler et notamment de profiter de l'actualité offerte par euh, Ludovic et euh, la boutique au de ballet, euh, de recevoir l'acteur Jeff Roll euh, à Marseille et euh, c'était important euh, effectivement de profiter de cette occasion pour parler un petit peu plus d'Amosigori euh, dont on n'avait pas encore eu euh, bah, euh, vraiment euh, le temps de, de parler euh, dans, euh, dans notre chaîne et vous savez combien on aime vous faire des vidéos sur les personnages et combien on aime véritablement tenter d'explorer euh, les mécanismes de, de ces personnages là Amosigori c'est peut-être un personnage qui a été un peu sous-utilisé qu'on aurait peut-être aimé voir davantage peut-être on aurait aimé le retrouver dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix où il se passe de nombreuses choses au niveau euh, du ministère de la magie. Peut-être qu'on aurait aimé euh, le voir combattre euh, effectivement lors de la bataille de Poudlard, en tout cas lors de la seconde guerre du monde des sorciers. Peut-être pour venger son fils. On aurait peut-être aimé que ce personnage en fait soit peut-être un peu plus présent. C'est assez rare de dire ça parce que c'est vrai que J.K. Rowling a toujours su faire revenir à un moment ou à un autre les personnages plutôt au bon moment. Et c'est vrai que sur Amos Igori, euh, elle a attendu très longtemps, elle a attendu euh, l'enfant maudit pour que bah, finalement ce retour puisse s'accomplir. Et c'était peut-être euh, fait exprès, c'était peut-être le bon moment pour le faire revenir. En tout cas, nous, de manière assez évidente, on a adoré euh, découvrir euh, bah, l'évolution dramatique, ténébreuse, complexe de son personnage dans me dit mais pour nous c'était vraiment quelque chose de pertinent à explorer et euh, J.K. Rowling a peut-être eu tout à fait raison en fait d'attendre euh, ce moment-là pour euh, le faire revenir dans, euh, dans l'histoire en tout cas nous c'est un personnage qu'on a pris beaucoup beaucoup de plaisir à étudier dites-nous vous dans les commentaires bah ce que vous en pensez est-ce que c'est un personnage effectivement euh, que vous comprenez euh, qui euh, vous bouleverse est-ce que c'est euh, voilà quelqu'un euh, dont euh, l'histoire vous parle particulièrement nous vraiment c'était pour nous important qu'on puisse le traiter et encore une fois merci aux équipes de la boutique au de ballet de Marseille de nous avoir euh, entre guillemets donné le prétexte de nous intéresser à ce personnage on continuera à s'intéresser à d'autres personnages de la coupe de feu qu'on n'a pas encore traité dans euh, les euh, prochaines semaines hein. vous savez Harry Potter et la Coupe de Feu c'est peut-être pour ce qui me concerne mon livre préféré de J.K. Rowling, en tout cas dans la saga, dans la saga Harry Potter. Donc, euh, c'est vrai que j'y attache une importance qui est toute, toute particulière. Et donc, voilà, c'était vraiment important qu'on puisse en parler et qu'on puisse discuter un petit peu de tout ça ensemble. Donc, c'est tout pour cette vidéo. On espère vraiment qu'elle vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur ce personnage, à nous dire un petit peu votre opinion, et on se retrouve donc très bientôt pour plein de nouvelles aventures, notamment pour des Play, et la semaine prochaine, nous aborderons euh, un sujet peut-être un petit peu plus de fond, sauf si l'actualité, évidemment, vient euh, remplacer un petit peu tout ça, mais on va essayer d'aborder un sujet un petit peu plus de fond, euh, donc, euh, qu'on a, euh, qu a vu au cœur des événements de Harry Potter. Vous verrez, c'est un sujet que, euh, sur lequel on a pris aussi beaucoup, beaucoup euh, de plaisir à euh, discuter. Et évidemment, avant de conclure cette vidéo, on souhaite à tous les utilisateurs de la Nintendo Switch le bonheur de pouvoir enfin jouer, puisque normalement le jeu est sorti mardi sur les consoles Switch, vous pouvez enfin jouer à Hogwarts Legacy. Nous, personnellement, on ne jouera pas euh, sur Switch parce qu'on a déjà joué sur, euh, sur PlayStation, donc euh, du coup, on ne euh, l'utilisera pas. On a vu que globalement, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire pour adapter le jeu et le rendre le plus euh, le, fidèle on va dire euh, des consoles nouvelle génération euh, sur, euh, sur la Switch donc ils ont essayé quand même de faire le max de ce qu'ils pouvaient ça a l'air d'être plutôt pas mal en tout cas on vous souhaite évidemment de passer du temps à découvrir ce jeu qui est très intéressant qui mérite effectivement euh, qu'on euh, s'y attarde alors juste un dernier truc sur Amosigori qu'on avait oublié entre guillemets de vous préciser peut-être que certains d'entre vous nous diraient oui mais en fait Amosigori il apparaît déjà auparavant euh, dans les événements euh, qui se déroulent dans Mystery, vous savez, le jeu sur mobile. Alors, en réalité, on n'a pas pris cette source en considération dans la mesure où, en fait, Hogwarts Mystery n'est pas une histoire officielle de J.K. Rowling et ne peut donc pas être, on va dire, qualifiée comme faisant partie de l'histoire officielle. Donc, du coup, tous les événements qui se déroulent dans Hogwarts Mystery pour nous sont vraiment en dehors, on va dire, de la timeline qui est celle décidée par J.K. Rowling et des informations que nous avons sur le personnage. Donc, voilà. Bref, on s'arrête là pour cette vidéo et on se retrouve donc très bientôt pour plein de nouvelles aventures.